Et bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode des aventures de Petit Mikasto, épisode bonus. Je me suis décidé, avec tout ce qu'on avait à faire un petit peu partout, on va aujourd'hui partir à la chasse aux familiers. Voilà, c'est décidé. Je me suis dit qu'on allait un petit peu se balader pour voir si on pouvait trouver des esprits des bêtes. On va voyager, on va se promener, ça va être sympa. Et puis voilà, hein, voilà un petit peu de plaisir, hein, de temps en temps. Histoire de récupérer des trucs qui traînent. Et pour commencer, on va. D'ailleurs, il me semble qu'il faut être level 46 ou 56, je sais plus. Il y a un truc comme ça pour que la plume pop ici, pour récupérer la monture. Enfin, le. Je vais y arriver! J'allais dire le hibou, ça là, ce truc. Le griffon spectral de Hurlevent. Et il y a la même bestiole un petit peu dégueulasse côté horde qu'on ira chercher aussi, bien sûr. Mais là, on va essayer de faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas des esprits, des bêtes qui traîneraient. Notamment, je pense. Où est-ce qu'on peut aller récupérer des trucs là? J'essaie de voir un petit peu. Ijal, il y en a, mais on peut pas aller les chercher. Tout ça, c'est non. Tolbarad, à Tréfonds, il peut y avoir des montures aussi. Mais en vrai, je pense qu'on va aller en Norfandre. Est-ce que le Norfandre est ouvert? Je vais aller voir. Je sais même pas en fait si on a accès au Norfandre direct comme ça. Il me semble que ouais. Hein. On a activé le mode PVP. D'ailleurs, on peut mettre des sorts. Hein, tant que j'y pense, il faut qu'on refasse nos sorts. Insensible aux effets de peur et d'horreur, c'est pas mal. Vitesse d'attaque, c'est très fort. Hein. Non, je m'en fous. Intrusion, tactique de survie, ça c'est très puissant. Très très bon pour du PVP. Pièges vivants sont insensibles aux dégâts et aux soins, c'est bien, mais j'aime pas trop. On va prendre déjà la bête intérieure, ça c'est sûr. Et on va prendre la technique de survie. Après avoir feint la mort, pendant 3 secondes, je réduis les dégâts de 90%, c'est complètement OP. Et ça, on augmente la vitesse d'attaque. Donc, du coup, des familiers alliés de 10%, donc c'est très très bien. Et on a accès au troisième? Ah ouais? Royaume sauvage? Non. Commandement de familier volotant? Non. Ça c'est bien, voilà, ça permet de faire des trucs aux alentours. C'est ce que je disais, c'est l'aspect de la meute qui avait été enlevé. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, intrusion. Détournement entraîne la redirection des trois prochains sorts hostiles lancés sur votre cible vers votre familier pendant 10 secondes, mais son temps de recharge est augmenté de 15 secondes. En vrai, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Ou alors est-ce qu'on prend la meute de chasse? Réduit le temps de recharge de 50%! Oh, c'est trop bien. Moi qui aime bien courir un petit peu partout, on va pas se mentir, c'est quand même sympa. Est-ce que je réinitialise tout et on refait un petit peu l'arbre de talent? Je pense que ouais. On va prendre un petit peu. Bon, tir mortel, c'est obligatoire. Dégâts critiques de tir mortel, c'est obligatoire. Ça, c'est sûr et certain. Guérison de familier, c'est trop important. Vitesse de déplacement augmente de 15% à chaque fois que vous n'avez pas attaqué pendant une durée de 3 secondes, j'aime beaucoup. Trait de choc, c'est très puissant. Désengagement, c'est très très bien aussi. On va prendre le déplacement, on va prendre le tir de riposte, on va prendre le détournement, évidemment. Ensuite, on peut partir. Donc, je voudrais prendre intimidation. Donc, pour prendre intimidation, soit on prend des pièges de goudron qui slow les ennemis qui rentrent à l'intérieur, qui les ralentissent, donc. Soit on prend le tir tranquillisant qui annule un effet de rage et de magie. Là, on a 2 points à mettre pour descendre ici. Là, on n'a qu'un seul point à mettre. Vu que je m'en fous un petit peu de ces trucs-là, c'est du contrôle, c'est du très bon contrôle même. Mais je vais prendre le tir tranquillisant pour partir sur l'intimidation. Un sort vraiment, vraiment énervé qui est vraiment très cool. Tir tranquillisant amélioré, non. Effrayer une bête, c'est très sympa, mais non. Je vais prendre à toute allure. À toute allure! Réduit le temps de recharge de survie du plus fort, non. C'est un gros CD défensif, mais comme je dis, je vais jouer bourrin. Je vais jouer bourrin. Dissimulation, j'aime beaucoup. Comment ça s'appelle? Tir de lien, c'est excellent. Hibou sentinelle, tout ça, non. Science des chemins, oui. Donc je pense que je vais descendre ici. Réduit le temps de recharge d'aspect du guépard. Survie du plus fort et aspect de la tortue de 10%. Oui. Ouais. On va faire tung 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 tung, comme ça. Et on descendra par là-bas, je pense. Votre maximum de points de vie est augmenté de 4%. Enthousiasme ouvrant 10% supplémentaire de votre maximum de points de vie en 8 secondes. Cumulable 2 fois, donc on peut avoir 8% de PV max. C'est très bien, mais non. On va partir là-dessus. Voilà. Ça, ce sera un truc que je devrais prendre obligatoirement. Les cibles immobilisées par tir de lien, repoussées par piégeotement explosif, stupéfiées par la flèche de dispersion ou étourdies, vous infligent moins de dégâts pendant 8 secondes.
Je prends ça, comme ça on descendra ici, familier, dégâts d'ordre de tuer, et 2 charges et 15% supplémentaires, ça j'aime beaucoup. Après ça c'est très fort aussi, hein. Instinct du tueur c'est très très fort. 50% de dégâts supplémentaires, s'ils ont moins de 35% de PV, mais je préfère ça. Parce que plus on le spam, plus ça rentrera avec les réactions en chaîne de ordre de tuer, à une chance de reset automatiquement les trucs. Donc on part sur cet arbre de talent qui me semble être beaucoup plus intéressant. Du moins du côté chasseur. Et du côté droit on va prendre, bon mais ça c'est obligé. Tir à serrer ça me semble indispensable. Augmenter les dégâts du familier c'est indispensable. Ordre de tuer augmenté indispensable. Tir à serrer aussi. Et en vrai il faut qu'on descende par là. Parce que pareil là, ordre de tuer invoque une bête. Tout ça c'est trop OP. J'ai pas envie de prendre les flèches multiples. Je m'en fous un peu. Je m'en fous. C'est pas un truc qui m'intéresse. Après, est-ce que je veux vraiment de l'AOE? Est-ce que je veux vraiment du multi-cible? Bah, je pense vraiment pas, hein. Multi-cible, c'est bien, mais... Effusion de sang, c'est très très cool aussi. C'est très très fort. Même si j'aime beaucoup les corbeaux. Effusion de sang, c'est vraiment énervé. Hein. Je pense qu'on va prendre effusion de sang. Hein. Augmente les dégâts infligés par votre famille de 15% pendant 18 secondes. Ah, quand même, hein. Quand même, quand même, hein. Évidemment, tir à serrer qui a une chance. 50% de chance de mettre fin au temps de recharge d'ordre de tuer. En plus de. Ouais, on va partir sur ça. Ah non! Les dégâts infligés par ordre de tuer sont augmentés. 10% la durée de tir à serrer est augmentée. Ouais, c'est trop bien. Ça aussi, c'est trop bien. Il y a trop de trucs qui sont trop bien, mais il faut qu'on descende par ici. Il faut qu'on descende. Augmenter les coups critiques. Appel du familier. Invoque également le premier familier, c'est obligatoire. Augmente de 30% les dégâts infligés. Ouais, vas-y, hein. On prend ça. Double familier. Annule le coup en focalisation de prochain ordre de tuer. Ouais, on a le critique. Bête féroce OP. Courroux bestial OP. Trop chiant. Il me faut courroux bestial. Il me faut piétinement. Et il faut qu'on descende par là. Hein. Mais je pourrais pas tout faire, hein. Je pourrais pas tout faire. Est-ce que vraiment... Ça, je suis obligé de le garder. 10% d'ordre de tuer. Tout ça, je pense qu'on est bon, là. Effusion de sang, barbelé. Après, barbelé, je suis pas obligé de le prendre. Je suis pas obligé de le prendre. Après, 40% de dégâts des tirs acérés, c'est OP. Mais... On peut ne pas le prendre comme ressource de base. Ça c'est ouais, mais il y a trop de trucs trop bien. Courroux bestial, trop fort. Tir à serrer, réduit le temps. Piétiner, ah ouais. Coup critique. Mettre fin au temps. En fait, c'est ça. C'est qu'on a un combo qui peut être fait avec tir à serrer et ainsi de suite qui fait que tout part en sucette et en chaîne. Mais je pense qu'on va partir comme ça. On n'a pas trop le choix. Hein. Je peux pas trop descendre par là. Je voudrais un petit peu tout, mais... Pff, wow. Non, on va faire ça. Piétinement. Quand vous lancez tir à serrer, votre familier piétine violemment le sol. 115 points de dégâts physiques. Ça sera 230 et on descendra là. Ça gardera un petit peu d'AOE. Ça, c'est trop bien, mais... Ou alors... Je prends ça et on descend comme ça. Mais annuler le coup en focalisation du prochain ordre de tuer, sachant que j'en ai plusieurs grâce à tout ce bordel là, que je vais descendre ici là. Je sais pas, hein. Après c'est 2 points, là c'est qu'un point. 20 secondes de recharge. Augmente ma hâte de 5%. En plus d'appeler un familier qui vient taper. Et on fait comme ça. 1, 2... Ouais, on fait comme ça, je prends pas l'AOE. L'AOE, c'est bien pour garder de l'aggro, quand même. Mais un familier de plus. J'hésite. Je vais prendre un familier de plus, on va partir comme ça. Allez! On remodifiera au pire. Hein.
On remodifie un. Ouais, tout ce bordel. Donc, ça, ça va ici. Ça, ça va ici. Ça, tir tranquillisant en vrai, je peux le mettre par là, histoire de. Le stun, c'est trop fort, je vais le mettre là. Dissimulation, c'est trop bien aussi. C'est de la grosse régène. On va faire comme ça, je pense. Hein. Et donc ça, c'est les deux sorts supplémentaires. Mais il me semble que j'ai déjà des macros pour ça, effectivement. Donc je vais enlever effusion de sang. Je vais mettre celle-ci. Et je vais enlever courroux bestial. Et je vais mettre ça ici aussi. Avec l'appel du familier. La bête féroce qui va aller là. Il me manquera juste le chakra. Ça, et c'est marrant, je suis retombé sur mon ancien build comme ça. Trop drôle. Trop drôle, trop drôle. C'est ce que je jouais, visiblement. Comme quoi, hein, on fait toujours plus ou moins la même merde. Je crois que j'avais déjà switché tous mes sorts par des sorts en macro. Je le refais au cas où, parce que voilà. Comme ça, je suis heureux. Très bien, donc ça, c'est des sorts supplémentaires qui nous permettront d'appeler des familiers et de faire beaucoup de dégâts. Celui-ci, il faut le spammer en priorité. De toute façon, il faut le faire dans cet ordre-là. Toujours celui-ci, après celui-ci, après celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui a le moins de temps de recharge. Celui-ci, moyen et hop, et très haut. Allez, allons-y. On va faire ça comme ça. Du coup, j'ai mes familiers, là. Ils sont là. Ouais, j'ai mes deux poules. Let's go. Badabadabadabam, badabadabadabam. Qu'est-ce que tu veux, toi? Nos dormus. Il attend la fin des temps. Non, 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 on verra plus tard. C'est pas le moment. Est-ce que je peux aller à... Oui, je peux aller à... À Dalaran. Allons-y. Bon. Là, il y a beaucoup de comment ça s'appelle? De familiers... très très rare qu'on peut dompter en étant maîtrise des bêtes. Je rappelle que les esprits des bêtes ne peuvent être domptés que par les chasseurs maîtrise des bêtes. On ne peut pas dompter les comment ça s'appelle les familiers si on n'est pas maîtrise des bêtes. C'est comme ça, c'est chiant, mais c'est la life. Désolé mesdames et messieurs, je ne peux rien y faire. Et puis on va se balader un petit peu. On va se balader un petit peu, on va faire une petite collectionnite tranquille, on va faire ça. Allez, on va mettre aussi des montures en favori. Qu'est-ce que je trouve joli? Celle-là. Celle-là. Raté. J'ai fait de la merde. J'ai enlevé la monture? Je suis vraiment trop con. Hein. Wouhou! Heureusement que je suis chasseur. J'ai enlevé la monture en plein air. Hein, donc évidemment, c'est des choses qui... Voilà. Peut être un petit peu problématique, certains diront. Ah mais il y a un fly, je vais le récupérer tant qu'à faire. En fait c'était voulu, c'est ça que vous avez pas compris. C'était totalement voulu pour récupérer le fly. Oh là là, faites un effort quand même. Évidemment que non. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, brise-monde, cauchemar lucide. Bon comme ça on aura tout au pif, hein. Je mets évidemment les montures que je trouve jolies, celles que je trouve pas jolies, je les mets pas. Ça vole ça? Je suis pas sûr. Ça, ça vole. C'est pas par ici, c'est par là-bas. Et là, bam! Je tombe sur le proto-drake perdu dans le temps. Ce serait trop drôle en vrai. Ce serait vraiment trop drôle. On fait un petit tour, on sait jamais. On va récupérer les minerais. On fait une petite balade, on fait plein de trucs en même temps. Hop là. C'est un peu chiant parce que quand j'appuie, en fait si j'appuie et en même temps j'avance, enfin ça déconne. C'est pas clair mais... On a compris quoi. Je peux pas faire clic droit sur le mob comme je le souhaite. Alors est-ce qu'il y a Jean-Marcel le mob rare là? Il peut être dans plusieurs endroits hein. Pas forcément que là. Il a pas l'air d'être là. Bon après là on se balade dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui farment ici hein. Il y en a beaucoup qui farment pour le proto-drake perdu dans le temps. Je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas une monture que je trouve jolie. Mais faut avouer que c'est une monture quand même très prestigieuse à cause de sa rareté. Donc beaucoup de gens essayent de l'avoir pour ça. À juste titre. Hein.
Allez, je finis de mettre les montures en fave. En favori. Je mets que les montures volantes, comme je vous ai dit. Parce que bon, voilà, quoi. Ah, les phénix sont beaux, hein. J'en choisis qu'un, parce que j'en ai trop. Je vais mettre celui-là. Allez. Ouais, celui-là, il est beau quand même. Je sais pas si c'est volant, ça, je crois. Hein. Ça, c'est non. On verra bien s'il vole pas. Bah, du coup, bah, on l'enlèvera. Ça, ça vole, ça. Ça, ça vole pas, malheureusement. Malheureusement, non. Les serpents de nuages sont tellement beaux. Hein. J'aime bien ceux avec les éclairs en plus. Ceux-là, là. Ceux qui font. Ça, c'est dégueulasse, mais vraiment. Et on va arriver à la fin, déjà. On va arriver à la fin. Et voilà. Bon, vous voyez, c'était rapide. Bon, du coup, lui, il peut être... Alors, non, ça, c'est le proto. Et ça, c'est Varigosa. C'est pas ce que je cherchais, en fait. Je me suis trompé, c'est Skoll. Alors, c'est Skoll qui peut être. Donc, là où on l'a vu, ou alors par là-bas. On va essayer de voir si on peut choper Skoll. Alors, on farme pas Varigosa, tout ça, parce que je vais pas vous mentir que je suis un peu... voilà, je l'ai fait pendant très longtemps, je vous en ai parlé. Où est Skoll ? Skoll. Je vous en ai parlé, et c'est pas une monture que je cherche absolument. C'est si elle tombe un jour, je la vois, bon ben voilà quoi, et sinon, ben Osef. Hein. Parce que c'est beaucoup trop difficile de tomber dessus, elle est tellement farmée par rapport à sa rareté. Que voilà quoi. Après, je sais qu'il y a des astuces, hein. Il y a des astuces pour pouvoir la voir plus facilement. Il y a des gens qui les farment et qui les vendent et tout, il y a plein de trucs comme ça qui... Ah bah il est là, Skoll. Skoll est là. Donc on va dompter Skoll, mesdames et messieurs. Hop là! Donc ça c'est cool, c'est un chien de foudre qui est très joli. Donc ça fait plaisir. C'est pas le mob le plus rare et le plus foufou. Bon là il est en comment s'appelle? En camouflage. Mais je trouve qu'il est très joli avec sa foudre et tout ça là qu'il a autour. Donc premier rare, ça fait plaisir. Il était là. C'était lequel? Faut que j'appuie sur ça. Voilà, c'était celui-ci. Donc tout ça après on s'en fout. On va partir vers Zuldrak pour aller voir s'il n'y a pas Gondria. Gondria. Comme je vous ai dit, à ce level de jeu, vu que je suis phasé en plus dans une zone qui n'est pas censée être ici, je suis phasé dans Burning Crusade, donc il faut qu'il y ait des gens qui soient phasés à Burning Crusade, qui se baladent en Orfandre d'à peu près du level 44, tout en ayant le mode guerre activé. Oh, le titane! Oh, la veine de titane! Ça, c'est pour Bibi, ça. Même si on va pas en ramasser beaucoup parce qu'on n'a pas monté le... Voilà. Minage de la zone, mais ça fait toujours un truc en plus. Du coup, bah ça fait beaucoup de conditions, ce qui fait que les rares ont de fortes chances, de très fortes chances d'être là. Donc moi je suis content. On va pas se mentir, je suis contentitude de pouvoir récupérer tout ça. Allez, allons voir Gondria. Gondria qui est comment ça s'appelle? Une panthère, enfin guépard. Ce serait quoi plutôt? Guépard, je dirais. Panthère des neiges? Non, pas une panthère, plutôt un guépard, je crois. Je sais pas trop, on va voir. Et il faudrait que j'arrive à dompter aussi. Ça va être un peu plus chiant, mais ça se fait. D'aller dompter, évidemment. Le griffon oublié. On va essayer de le choper, petit griffon. Est-ce que Gondria est par là? Gondria?
Oh putain, j'ai cru. J'étais en mode bon, bah c'était là. Non, pas l'air d'être ici. Ça nous fait découvrir un petit peu des zones, même si bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Non plus, pas par là, je vois pas. Il faut vérifier parce que la donne a tendance à pas les détecter même si tu passes dessus. Donc il faut quand même un peu bien regarder. C'est quand tu passes la souris sur le mob qui se fait oh putain, c'est lui. Alors, merci Gérard, je l'avais vu. Par contre, c'est très très bien pour afficher les trucs sur la map. Ça c'est ça par contre, c'est vraiment vraiment trop bien. Alors, Gondria, elle est là. Ça, ça fait plaisir, ça. Non, je suis mort, fais pas chier. Fais pas yesh. Eh, viens là. Bon, je vais me faire taper par l'autre, mais c'est pas grave. Ça, ça fait plaisir. Hop là, petite Gondria de récupérer. Donc là, il y a des léopards des neiges, donc ce serait quoi? Léopard? Peut-être des neiges? Ouais, je sais pas. Alors, les esprits des bêtes, c'est très très fort. Hein. C'est vraiment OP parce qu'ils ont des soins. Ils ont des soins et ça, ça fait plaisir. Alors ça, c'est un truc qu'on gardera pour plus tard. Je crois qu'on a des trucs à faire avec. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, on est bien. On est bien, on est bien. Direction les Grisons, évidemment, pour aller chercher Arcturus, un de mes esprits des bêtes préférés. Si ce n'est mon esprit de bête préféré, hein, peut-être même, je dirais. Tout ça, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. On a un pingouin après par là-bas, mais on s'en branle, qui est par là ici. Voilà, le roi Ping. Oh, la musique. Oh là là. Oh là là. Cette zone, quand même. Hein. Cette zone, c'est quelque chose. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que j'aime cette zone. Ah ouais. Non. Merde. Là. Ça vaut la peau du cul de cobalt aussi. Bon, on prendra les trucs de minage, hein, des extensions en cours quand on se baladera. Il faut que je prenne le minage de Norfandre, il faut que je prenne le minage de toutes les zones en gros quoi. Bon, Arcturus, ce qui est bien, c'est qu'il est juste à un endroit et puis il bouge pas. Il attend, il bouge pas. Alors il y a deux esprits des bêtes aussi qui sont en... Comment ça s'appelle? Il est là? Il est pas là. Non. Ah si, il est là. Oh yes. Oh putain, mais vraiment, hein. J'allais dire la chance, mais bon, après... la donne qui... Merci. Il est là. À moi. Donc ouais, il y a des... Il y a des esprits des bêtes aussi qui sont disponibles dans un autre endroit, mais il faut avoir fait des quêtes pour les récupérer. Je pense notamment à... comment ça s'appelle à côté du raid des terres de feu, dans le mont Ijal. Mais du coup, c'est... Ouais, non, on pourra pas récupérer... Ces deux rares là, parce qu'il faut avoir fait les quêtes de la zone pour faire en sorte qu'ils apparaissent. Il y a un piaf aussi d'ailleurs qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a ici? On en a un, c'est lui là. Hein. C'est Loknaak, je crois. Qui est par là-bas. Me semble-t-il. On va aller jeter un oeil, hein, voir s'il y est. Mais Loknaak, je sais plus si c'est. Attendez. Putain, pour l'instant la pêche est bonne. Hein. La pêche est très 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 bonne. Hein. Je suis trop content. Ça fait vraiment plaisir. Arcturus, vraiment, qu'est-ce que j'aime ce mob. Hein. C'est vraiment trop trop cool. Hein. Alors après, il me semble que tous les esprits des bêtes sont ténacité. Je sais plus trop, mais bon, ça c'est pas très grave, hein, après.
On peut passer par la désolation des dragons. Qu'est-ce que j'ai? Non, je m'en fous, je m'en fous. Et je m'en fous, hein. Tout cela, je m'en fous. En vrai, je peux aller dompter Elégon. Après, il y a des trucs. Le clampant fantôme, je crois. Aussi, qu'on pourrait aller chercher. Je me souviens de ce petit con là. C'est un crabe. Mais le problème, c'est qu'il est dans la flotte. Il est dans la flotte. Il est. Là. Il est par là, là. Dans les profondeurs abyssales. Je sais plus où exactement. Je sais plus trop exactement. Après, on a des trucs aussi, je suis en train de penser. Il y a pas mal d'esprits des bêtes qui peuvent être attrapés aussi en Pandarie. Le problème, c'est que. Ils sont un peu chiants parce qu'ils sont très costauds. Ils sont très, 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 très costauds. Il faut les stun et tout ça, sinon ils font des dégâts astronomiques. Il faut pas que je passe par le joug d'hiver, par contre. Parce que sinon, je vais tomber, ça va être trop chiant. Ça va être juste beaucoup trop casse-couille. Donc Locknack, normalement, c'est un genre de Gondria, mais pas... Alors, c'est pas un esprit des bêtes transparent, mais ça reste quand même un esprit des bêtes, normalement. Ah, il y en a beaucoup, en vrai. Il y en a beaucoup... Bon, déjà, très content d'avoir chopé ceux-là. Bah, du coup... On y sera allé très rapidement pour le. Je pensais qu'on allait plus galérer, mais non. Mais pas du tout. Est-ce qu'on irait pas? Mais le raid, je peux pas y aller. En vrai, je peux pas y aller. Si j'essaye d'aller dans le raid, je vais me faire défoncer. Ils vont m'éclater la gueule pour essayer de choper. Et en plus, j'ai pas le domptage des dragons encore. Je crois qu'il faut un bouquin pour ça. Je sais plus, putain, ça date. Tout ça, ça date. Tous ces trucs-là, ça date. Donc on fait le tour. On va remonter. Voir s'il est pas par là, l'autre, mais... Il est trop stylé, d'ailleurs, ce rare. S'il est là, non, il est pas là. Il est pas là. S'il traîne dans les parages, il est vraiment trop stylé, il est gigantesque. En plus, c'est un Kaluak. Trop énervé. Mais vraiment cool. Allez, allons chercher ce lock. Ah ouais, il peut être dans plein d'endroits. Il peut être vraiment dans masse endroits. Putain, mais ça sera un épisode trop court du coup. Goltor qui est en mode, bon, on va essayer de voir s'il y a des... Ils sont tous là. Du premier coup, on va dans les premières zones, ils sont là déjà, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est trop fort en fait. Il faudra qu'on récupère Sangosi aussi. Hein. Mais bon, ça c'est pas trop compliqué, je crains pas trop ces trucs là. C'est pas... Après on peut choper l'autre là aussi, là, l'esprit des loups. Merde, comment il s'appelle? Il est... Il est dans les hautes terres du crépuscule. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un esprit des loups dans les hautes terres du crépuscule aussi qu'on peut aller... On va checker celui-là, là-bas aussi. Et après, en Pandarie, bon, il y a pas mal de trucs qui se baladent. Comme j'ai dit, les porcs épiques qui font extrêmement mal, qu'il faut contrôler avant de pouvoir les dompter. Et je sais pas s'ils vont pas me one-shot ma gueule avant que j'ai le temps de les dompter. Parce que je crois que ça marche plus de les pièges de glace et derrière les dompter, tout ça, c'est fini. Voilà, on va retester un petit peu tout ça. On fait la chasse un peu, la collectionnite de chassous. C'est pour ça que j'aime beaucoup chasseur, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais... Même DR. Non mais c'est une dinguerie. En vrai.
Je parle pas de la rareté des familiers, comme je vous ai dit, enfin de la rareté du fait qu'il y ait les enfin, bref, du fait qu'on ait les mobs rares qui soient là. Vous avez déjà trop de familiers? Oh non. Bon, on va déposer les familiers, mesdames et messieurs. Mais ah, quoique non, attendez. On abandonne Boulon. Ouais, quand même. Mais par contre, c'est étonnant que le premier spot qu'on fouille, il soit là. Je vous rappelle que normalement, il pouvait être là, 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 il pouvait être là. Pouvait être là. Et en fait, premier truc où on va, on le chope. Putain, on commence à avoir des beaux familiers. On commence à avoir des très très beaux familiers, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Je suis contentitude. Vraiment, ça fait plaisir. Après, il y a un truc aussi. Je sais pas où il est là. Je me remémore petit à petit tous les trucs. Hein. On essaye, voilà. On va déposer les familiers dans l'écurie parce que sinon, ben voilà quoi, vous l'avez vu, c'est chiant. On a plus de place. Donc, quand je vous disais que c'était pas des bêtises, le fait qu'on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de rares qui traînent quand on est phasé dans un endroit, vous avez la preuve du coup, hein. Mettre un familier à l'écurie. Donc déjà toi en fait, je peux pas te dégager directement en fait, on va te mettre je sais pas où. Qu'est-ce qu'on dépose? On va déposer Locknack, hein. Skull Implay, Gondria, magnifique. En plus ça va trop bien avec notre tenue. Arcturus. On va déposer tout ce monde de toute façon. Dans le doute, je vais juste récupérer Écrou. Et on va faire ça comme ça. Gondria, trop bien avec notre tenue, notre couleur, tout ça. Écrou, on va le dégager, évidemment. Oh là 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 là. Oh là là. Magnifique. Déjà, regardez-moi ça. Des esprits, des bêtes de partout. Point faible? Beaucoup trop fort, je pense, le Goltor. Hop. Écrou, abandonné. Abandonné. Du coup, on n'a plus que l'autre. On en garde un quand même, parce que j'ai pas envie de mourir juste à cause du fait que éventuellement, on n'ait pas fait ce qu'il faut. Et ici. On va aller aux terres du crépuscule. On a un TP. Et on va chercher l'autre con. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais dès que je verrai son pseudo. Enfin, son pseudo, son nom. C'est pas un joueur, le mob. Je m'en souviendrai. Hop là. Il faut que j'arrive à le. À le voir. Alors, voyons. C'est lui, Karoma. C'est Karoma. Allez, allons essayer de récupérer Karoma. On est où là? Allez, c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. On va checker là. De toute façon, avec la chance qu'on a, le premier endroit où on va vérifier, il sera là. Ce hold up quand même, hein. On a vraiment fait un hold up, hein. En termes de mob rare. Alors, est-ce qu'il est au premier emplacement? Je serais dégoûté qu'il y soit pas quand même. Oh non! Truc de fou là! Oh, je suis dégoûté. Bon, deuxième emplacement, on va voir. On a une chance quoi sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8. Et non. 2 sur 8. Oui, c'est lui là, mais en esprit des bêtes. Transparent, bleu, de souvenir. Je vérifie quand même, hein, aux alentours parce que je me méfie des trackers des fois. Bon, si les mobs ont tendance à bouger un petit peu, après ils restent quand même généralement sur place. Il est pas là, mais c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais non. T'es en train de me dire le jeu que on l'a pas trouvé dès le début? Voilà, ça ressemble plus à une chasse aux esprits des bêtes classiques, hein. Ce que vous voyez là. C'est plus après de souvenir, celui-là il est chiant à trouver. Je me rappelle avoir galéré quand même pour le trouver, ce petit con là.
On a du... Oh, filon d'élémentium. Je suis obligé de le prendre. Je suis obligé de prendre tous les filons, tu vas me dire, mais... Minage de cataclysme augmente, par contre. Marrant, ça. Est-ce qu'on va l'avoir au dernier endroit de pop possible? Oh putain, j'ai cru que... Non. Je ne le vois pas. Bah écoutez... Ah ah! Le voilà! Eh ben pas de chance cette fois-ci! Cette fois-ci, on n'a pas eu de chance. C'était le dernier. Donc celui-ci, il est comme Skull, mais il a pas la foudre. Donc il n'est pas comme Skull, vous allez me dire. Mais effectivement. Donc du coup, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Rendez-moi ça quand même! Ça fait plaisir, hein! Ça fait vraiment plaisir! Ouais, c'est un truc de fou par contre! C'est un truc de fou ce qu'on est en train de faire! Alors attendez! Faut que j'arrive à me souvenir de tout ce bordel par contre maintenant. Oh, y'a Samba! Oh oui, putain, y'a Samba Di Janeiro! C'est vrai qu'il y a Samba. Alors Samba, ça n'est pas un esprit des bêtes. Mais c'est un mob qui est très rare. C'est pas un skin de fou unique et tout. Il y a des lions blancs qu'on peut essayer de récupérer. Comment ça s'appelle? Du côté de l'Alliance, quand un Horde a lancé une quête, on peut lui choper le monstre sous le nez. Donc c'est un peu spécifique, hein. Ça demande des démarches, mais il y a un lion tout blanc qui est trop stylé. Mais là, il y a aussi Samba, c'est vrai qu'il y a Samba Di Janeiro. Donc on va essayer de faire un petit tour. C'est pas un esprit des bêtes, mais c'est un family rare. Et pour la collection, on aime bien. On est parti sur de la collectionnite aujourd'hui, je vous ai dit. Est-ce que Samba est là? Samba n'a pas l'air d'être là. Je ne vois pas de Samba. Pas de Samba. C'est une Samba. Ça me semble pas. Petite blague François Pérusse pour ceux qui reconnaîtront. Bon, c'est pas ici. On va aller là-bas. Tu l'as aussi, hein. Familier très chiant à récupérer. Pour celles et ceux qui ont essayé de le choper en étant level max, on compatit. Là aussi, il y a un mob rare qui est assez costaud. Oh. Quoi? Casque du domaine de classe obtenu. Visiblement, je suis trop fort, quoi. Allez, on va prendre ça et on descendra ici. Ordre de tuer à 15% de chance d'invoquer également une bête féroce. Ça, c'est vrai. C'est tellement... Vas-y, quoi. Vraiment. Il a. Donc, on va fracturer le suzerain. Je dis ça parce qu'en fait, il s'appelle suzerain Fracte Fury MDR. Tiens, prends mes esprits des bêtes dans ta gueule. Voilà. Ce qui veut dire dans ta gueule. J'adore ce truc là. Le mec trop énervé qui arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je sais pas. Je crois qu'il a dit qu'il était pas content. Après. Bon, ça level up hein. Ça level up beaucoup trop vite d'ailleurs, même mesdames et messieurs. On prend un caillou, on prend 13%, mais on le vit bien. C'est le mode PVP. D'ailleurs, on a combien de bonus? On n'a pas un bonus avec le mode guerre? Si, je crois. Hein, non, que 10%. Ah bah ok. Y'a pas le bonus d'enrôlement? Enfin de... Quand y'a pas assez de joueurs. D'une faction, il booste le... L'autre faction. Quand t'actives le mode PVP. Samba? S'il vous plaît, Samba. S'il vous plaît, Samba. Pas de Samba? Pas de Samba. Pas de Samba. Et donc, tant que j'y pense, d'ailleurs, on va faire un truc, c'est qu'on va aller chercher un peu tous les familiers, mais pas forcément que les esprits des bêtes. On essaye de faire une collection de mobs rares. Qui, pour l'instant, c'est réussi. Pour l'instant, mesdames et messieurs, c'est totalement réussi. Oui, il n'y a personne qui joue au jeu. WoW est mort, hein, c'est bien ce qui me semblait. Les gens avaient raison, en fait. Je déconne, évidemment. C'est l'humour, le jeu n'est pas mort. Je vous expliquais, c'est avec le système de phasing. Mais... MDR, t'as vu, tu vois, Coltor, il n'y a personne qui joue. Tous les rares sont là. C'est totalement vers là que doit se diriger le jeu. Putain, il est pas là, Samba! Oh l'enfoiré! Il est pas là, hein! Il est dans aucun de ces endroits de pop, le petit saligo, là! Hmm. Samba, tu te dégoûtes, hein! Samba qui te dégoûte, hein!
Serait-ce le premier mob qu'on n'arrive pas à trouver? Je vous ai dit qu'il était rare après, de toute façon, celui-là. Ouais, non, je crois pas. Hein. On va refaire un tour, ok? On va refouiller la zone. Peut-être que j'ai mal vu. Et comme je disais, ouais, c'est vers là que doit se diriger le jeu. Je trouve que c'est une excellente chose. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? C'est très satisfaisant, en vrai. C'est très satisfaisant de se balader et d'arriver à récolter des choses qui sont plus ou moins rares. Donc là, des familiers, des ressources, ce que vous voulez. Hein. Mais ça fait plaisir, quoi. Que de te balader tout le temps et voir que tout est poncé et que t'as zéro chance. Ok, ça donne du prestige à ton loot, à ta découverte. Parce que c'est tellement rare que du coup, quand tu l'as, t'es trop content. Mais avoir ça aussi à ta disposition sans galérer des centaines d'heures pour trouver un truc, ouais, ça fait giga plaisir. En vrai, ça fait giga plaisir aussi. Donc que le jeu parte sur une individualisation du MMO, pour moi, c'est une excellente chose. C'est triste pour le MMO, je suis d'accord avec vous, mesdames et messieurs. Hein ? Il y en a plein qui penseront que c'est vraiment triste parce que ça reste un MMO, donc c'est pas fait pour jouer tout seul. Je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, voilà quoi. Passer beaucoup de temps sur des jeux qui demandent un investissement de fou, dans lequel t'as pas vraiment la sensation d'avancer et sur lesquels tu peux vraiment être frustré par rapport à tes coéquipiers et tout, c'est très difficile quoi. Par rapport au temps de jeu, tout ça. Donc. Non, pas de Samba, hein. Le roi des lions n'est pas là. Bon, on pourrait fumer des mobs hein, pour forcer le respawn et éventuellement avoir de la chance sur le respawn. Mais Samba n'est pas là. Hein. Je le vois pas. Hein. Je le vois pas. Ça, ça nous emmène où? Dalaran. Laquelle Dalaran? L'ancienne. La nouvelle? Je pense. Hein. Je pense que c'est la nouvelle Dalaran, ça. Ouais, non. Je vois pas de Samba. Bah, premier arc qui n'est pas là. Vous savez qu'on veut juste le tuer, lui, par principe. Parce qu'il mérite. Voilà, non, mais bien fait pour ta gueule. Et non. Bon. Si je fais ça. Ah, il veut pas, parce que c'est un jouet. Truc de fou ça, j'ai plus ma pierre de TP. Pierre de foyer de Dalaran. Voilà. Et pierre de foyer de Fief. Mais ça, il va pas vouloir ça. Et voilà. Et Dalaran non plus. Ah, mais non, mais parce que j'ai pas débloqué Dalaran. Dalaran. Loup de givre. D'une balle d'art. Sérieux? Pas dans la bonne région. Comment ça? Ok. J'avais même pas que j'avais ce truc là. Ah oui, c'est le truc de foudre épique, je suis trop con. Et ouais, tout ça on peut pas, hein. Tout le reste on peut pas. Ok. Et ben, bah merde. On est où là? Ah putain, on est loin. On est loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des rares qui m'intéresseraient? Non, je crois pas ici. Hein. Non, y a rien. Ah si. Il est où? Il est là, non? Non, là? C'est lui, je crois. Non. Là? C'est lui, je crois. Il y en a un qui m'intéresse. C'est un squelette. C'est un raptor squelettique. On y va. C'est par là-bas. Go! Là-bas? Oui. On a la monture volante max, de toute façon. Is ok. Bon, c'est un épisode bonus dans lequel on va pas mal pexer. Oh, oh bonjour. On va pas mal pexer malheureusement, mais bon. De la pyrite. On a trop de merde dans notre inventaire. Tourne d'eau de balistique, tout ça. Comment ça, Mir? Tous ces poissons là. Faudrait qu'on stocke tout ça, mais bon, on verra.
On s'en bat hein, pour celles et ceux qui voient pas trop à quoi ça peut ressembler. C'est un gros lion, hein, tout simplement. C'est le lion Simba. La même tronche que le lion qu'on a dans l'Alliance en monture. La monture de l'Alliance. L'Horde, elle a pas cette monture-là. Et nous, on a le Simba dégueulasse avec le drapeau de l'Alliance dessus. Je trouve qu'il est un peu dégueu parce qu'on dirait qu'il est fondu. On dirait que la crinière est fondue sur le mob. Et c'est celui-ci, je crois. Il est là dans la carrière. Il est là ou là, je sais plus. J'arrive pas à me repérer sur la map, mais quand je verrai le décor, j'arriverai à savoir. Non, des Wyrm qui sont morts. Non. Mais en vrai, là, on a vraiment chopé des trucs giga rares, donc bon. Il nous en reste encore, évidemment. Notamment le petit singe aussi. Le petit singe avec le chapeau. Un petit singe. Un tout petit singe qui se balade. J'avais récupéré, je me rappelle, sur un autre chasseur. Mais là, on s'est fait plaisir. Vraiment, vraiment. Le plaisir est total. C'est par là, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est là-bas, ouais. Je crois que c'est par là. Oh! Ah, moi! Comment ça, girl? Et après, on ira en Pandarie. Pandarie, il y en a beaucoup. Mais ça, je peux pas vous dire si on y arrivera ou pas à les choper. Les chances qu'on se fasse pulvériser. Et tu sais quoi, toi, tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça. Full familier. Alors? On prendra des glyphes. Il faut qu'on achète des glyphes aussi. Parce que là, j'aime pas avoir un familier dégueulasse qui vient d'apparaître là. J'aimerais bien avoir des esprits des bêtes. Je crois qu'il y a une glyphe qui te permet de faire en sorte que tous les familiers que t'invoques avec courroux bestial, tout ça, pas courroux bestial, pardon, bête féroce, c'est des familiers de ton écurie. Donc du coup, bah, full maîtrise des bêtes, égale full. Du coup, invocation, c'est pas toi. Non mais c'est pas toi, hein. Toi t'es le rare, mais tu m'intéresses pas en fait. Tu es le rare, mais tu ne m'intéresses pas. Oh, par contre, ça, peut-être. Je sais pas. J'ai du mal à m'en rendre compte. Il est par là-bas, en haut, là. Bon, il va y être. Hein. C'est ça, c'est lui. Voilà. C'est celui-là que je veux. Vous allez me dire, ouais, mais les autres, c'est les mêmes. Ouais, mais lui, c'est un rare. Donc, ça n'a absolument rien à voir, mesdames et messieurs. Bah oui. Le prestige. Après, est-ce que je peux dompter les morts vivants? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai pas la compétence, hein. Ah si, je peux! Ouais! D'accord. Ben voilà, on a récupéré Gronde Croc. Qui est ben, un raptor squelettique, hein. Mais qui est le rare de la zone. C'est juste le côté... Oh, trop bien, on a chopé le rare, quoi. Bon allez, on va se barrer en Pandarie. On en a beaucoup à choper encore en vrai. Les caveaux Mogushan, je crois pas que je puisse rentrer. Je pense que je vais me faire défoncer ma tronche. Après, je peux enlever le phasing peut-être. Mais ça peut être risqué de se faire ça. Pour éventuellement choper Elegon. Mais après, bon, en vrai, Elegon, on le chopera à un moment ou à un autre. C'est pas un mob rare. Il suffit de rentrer dans le raid et on le drop et puis c'est tout quoi. Surtout que j'ai la monture donc c'est plus un problème maintenant. Hop, on va déposer tout ce petit monde. Bonjour! Elle doit être en mode, mais what the fuck? Excusez-moi, voilà. On a un petit peu du monde. C'est des choses qui arrivent. Au revoir! Bon, Pandarie, est-ce que j'ai le TP? Est-ce qu'il faut que je fasse les quêtes? Est-ce que le jeu va m'emmerder? Aucune idée. Et il n'y a pas le TP. En même temps,
C'est un peu logique. Vous voulez acheter quelque chose ? C'est un peu logique. Après, non, je suis con, je crois qu'on peut y aller via les portails là-bas. Mais je dis de la merde en plus, ouais, je vais là comme s'il y avait les portails, mais les portails sont là-bas. Début du SMAN. Et est-ce que je vais pouvoir me balader en étant là-bas ? Je me rappelle plus trop le nom de ces cons par contre, hein. Ça va me revenir quand je vais les voir. Mais je sais qu'il y en a partout, il y en a vraiment partout. Et on va vite voir si je peux les dompter ou s'ils m'arrachent la tête. Ils sont de plusieurs couleurs différentes en plus, donc c'est cool. Je vous rappelle aussi que dans Mist of Pandaria, il y a des quêtes cachées de chasseurs. Enfin, c'est pas des quêtes cachées, mais... En gros, pour pouvoir dompter des familiers très rares, il faut utiliser certaines compétences à certains endroits. Donc c'est très très cool. Donc ça, c'est l'Exodar, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Forêt Jade, bah oui, c'est bon. Et ça te permet de les faire apparaître, sinon tu ne peux pas les voir. Il faut trouver des traces de pas dans certains endroits pour dompter des familiers qui malheureusement n'ont pas de couleur ultra rare, mais bah, le prestige, la collectionnite, le plaisir, tout ça de choper ces mobs quoi. Donc on est où là, voyons. Non. Non, je crois pas. Non. Ferdinand non plus, éclaireur, crack non. Merde, c'est pas un truc. Ça, c'est les trois. De toute façon, on pourra jamais les faire. Il me semblait hein, pourtant que. Ça me dit rien tout ça. C'est pas des rares. Mais si, c'est des rares normalement. Si, il y en a un dans la forêt de Jade. Il est où Attendez, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher l'info parce que je suis persuadé qu'il y en a un dans la forêt de Jade, mais je le vois pas. Ça m'étonne. Il est où ce petit bâtard ? Ah si, Utia ! Ah, c'est bien ce qui me semblait ! Ouais, donc en fait, il n'est pas considéré comme étant rare. The fuck ? Il est censé être par là ? Pourquoi il n'est pas... Bon, on va vite voir, de toute façon il y a des chances que je me fasse défoncer. J'avais un bon souvenir. Non, il est par là apparemment. Mon souvenir n'était pas erroné. C'est ce qui me semblait. Bah, bah, on s'en fout. Ça, c'est des mobs qui popperont toujours, ça. Ouais. Magnifique zone aussi, hein. Ça va être cool quand on ira là-bas. Bon, si jamais c'est pas possible, ben on reviendra plus tard, hein. Mais j'ai souvenir qu'ils mettent des coups et tu fais... Tout simplement, tu fais bonjour. L'autre, je sais qu'il est là, par là, là, dans l'eau, là. Il est là, là. Donc ça, je m'en souviens. Et après, il y en a d'autres aussi, mais je sais plus. Bon, ça devrait être par là. Ça devrait être par là. Alors, il est là, et effectivement, il a 56 467 points de vie. Le problème, c'est que je ne peux pas... Je
On peut pas le capturer comme ça normalement, il me semble. On va essayer, mais je crois qu'il est insensible et qu'il va me one-shot. Non, ça veut pas. Non. Non, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? J'ai essayé de dompter, ça n'a pas fonctionné. Le cast s'est lancé puis s'est arrêté aussitôt. Je sais plus. Il y a une strat, hein. Il y a une strat, hein. Mais il m'a mis combien? Ouais, il m'a mis 17 000 avec son petit coup. Tout va bien. Petit coup normal. Ou alors il faut le tabasser pour descendre ses points de vie et ensuite pouvoir le dompter. On va essayer. Je me souviens plus trop, donc 56 000 points de vie, putain de Samir. Allez. Bon, ça fonctionne pas trop comme vous pouvez le constater. Ouais, Family qui est dead. Non, on peut pas, hein, je crois pas. Ou alors il fallait le ralentir non-stop. Je sais plus trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je peux plus. Vous devez renvoyer votre famille avant d'en apprivoiser pardon, un autre. Non, mais c'est pas possible. Faudra que je regarde comment faire. Parce que là... Quoi? Ah, mais Gondria est mort, donc ouais, il considère que c'est pas possible. On est obligé de renvoyer les familiers. Oui, bon, oui, d'accord, c'est bon. J'ai le reste, plus ça, c'est pas possible. Voilà, renvoyer. Ouais, je peux pas. Non, en fait, c'est... Ouais. Non, vous voyez, ça s'annule automatiquement. Donc, je sais plus. Il faudra qu'on regarde sur internet comment faire pour le dompter, ce petit con. Mais voilà, c'est des esprits des bêtes qu'on peut capturer. Il y en a de plusieurs couleurs. Et j'avoue que j'aimerais bien les choper. Mais je me souviens pas de la façon de faire pour pouvoir le récupérer. C'est un peu chiant, c'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme notre familier? Voilà, le truc, c'est qu'on est un peu bloqué en Pandari. Ça, c'est un peu dommage pour le coup. Parce qu'après, il y en a un autre dans le sommet de Kunlai. Il y en a un dans la vallée des 4 vents. Je crois qu'il y en a un dans le Val de l'Éternel Printemps aussi. Si je dis pas de bêtises. Et ces petits cons là? Je sais pas comment il faut faire pour les attraper pour le coup. Je sais plus. Je t'avoue que je sais plus. Bon, allez. On va retourner. On va récupérer le TP et on va retourner en ville. Qui est ici. Et on verra ça plus tard. C'est pas très grave en soi parce que ceux-là, c'est pas des rares, si je dis pas de bêtises. Ils repop. Et il suffit juste de les dompter pour régler le truc. C'est vraiment. Ça, dommage, on peut pas les dompter. Hein. Ce serait trop marrant, en vrai. Que Monsieur Féroce, on puisse le dompter. Imaginez, un instant, dompter Monsieur Féroce. Vous ne pouvez pas encore faire cela, d'ailleurs. Mais c'est sûr que non, hein. C'est un singe, mais il est indomptable. Voilà, cible incorrecte. Évidemment. On va le tabasser parce qu'il est là, tant qu'à faire. Ils sont costauds, hein. Ils sont vraiment costauds. Banana Rang. Banana Rang. Stun. Alors t'es deg. C'est pour ça que c'est fort ce truc là de d'étourdir la cible. En plus il fait moins de dégâts. Arrête. T'es trop chiant. J'ai vraiment appuyé sur ce sort alors que je l'ai en raccourci. Mais bon, tout va bien. Je dis, hein, je suis un vieux. Un adversaire à ma mesure. Impec.
Wouhou, on se casse. Tim, tim, tim. En fait, il me demande d'aller. Ouais, il me demande d'aller en fait à la. Oui, voilà, le sanctuaire des 7 étoiles, c'est ça. Pap, 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 pap. Tap, tap, down. Tap, 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 down. On ira tabasser tout cela plus tard, hein. Ah, ces musiques. Les musiques qui font plaisir. Quel dommage qu'il n'y ait plus la quête légendaire ici. Qu'est-ce que j'aimais cette quête, moi. Je suis vraiment dégoûté, hein. Marché noir à la retraite. Bonjour. Du calme. Du calme. Oh, on s'est barré, il n'y a plus le truc. Ouais. Dommage. Par contre, il y a vraiment un rare qui traîne par là. Oh ouais. C'est un garde du corps, je crois, de mémoire. Hein, qui peut traîner dans les parages. Et te taper dessus, gratos. Les petits donjons. Bonjour. Je viens me prendre le portail pour me casser d'ici. Bonjour, 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 bonjour. Bon après en familier rare évidemment, hein, y a des familiers mécaniques, il y a des familiers un petit peu dans tous les sens. De toute façon tout ce qui est rare classique, ils ont pas les mêmes couleurs que les familiers de base. Donc à partir de là on peut s'amuser à essayer de les choper. Et la zone dont je parlais c'est Vachir là pour le crabe, le clampant là dégueulasse là. Mais je sais plus où il est. On pourrait essayer d'aller le chercher au pire. Est-ce qu'on essaye d'aller le chercher et on termine sur ça? Ah je pense. Je pense qu'on va faire ça. Faudrait que je vende toutes ces conneries aussi. Allez, vous savez quoi? On va essayer d'aller d'aller choper ce truc là. On va essayer d'aller le choper. C'est un crabe invisible. Mais je sais plus où il est exactement. Et si on n'y arrive pas, on ira à pattes, hein, enfin à vol. Je crois qu'il... Enfin, je sais plus. Est-ce que j'ai un truc pour Vachir? Je crois pas, non. Je crois qu'il veut pas, hein, il me semble. Et oui, parce que j'ai pas fait la quête. Donc j'aurai pas le truc pour respirer sous l'eau et tout. On va être obligé d'y aller à la mano. Bah allons-y, hein. Il est par là, je crois, là. Il y avait tout juste un putain de... Oh ça va, je m'en souvenais plus. Soyez pas méchants, je suis vieux, s'il vous plaît. Oh putain. Bon. Bah ben, voilà, un problème réglé, je sais où il est. On n'aura juste pas trouvé Simba. Vous vous rendez compte qu'il y a un seul mob qu'on n'aura pas trouvé, c'est Simba. Mais dans les esprits des bêtes, on aura réussi à trouver tout ce que je voulais choper. Simba, c'était juste pour le plaisir. Mais... Truc de fou. Je vais pas pouvoir passer directement. La fatigue va trop vite monter. On va essayer de longer un peu le mur et après, on ira tout de suite à gauche. Après on ira voilà à Silithus pour essayer de choper les gros mobs dégueulasses avec le cerveau qui est éclaté et qu'on voit. Même si je crois pas qu'on puisse... je sais plus, je crois pas qu'on puisse les rechoper avec la tête ouverte et avec le cerveau qui dépasse. Je sais que c'est un peu dégueulasse mais voilà. Après... Il n'y a pas par là aussi là. C'est pas le genre... Faut que je... Attends, comment il s'appelle? Non... Non.
Ça, c'est une tortue, d'eau de fer. Je sais plus, je crois qu'il y en a un par là. Il y a un ours avec des lances plantées dans le dos. C'est juste un skin unique, en fait, de mob. Mais je sais plus trop. C'est pas grave, on cherchera tout ça. Là, pour aujourd'hui, on a fait la recherche des... comment ça s'appelle? Des esprits des bêtes. Et prochain coup, on ira chercher des mobs qui sont uniques. En soi. En termes de skin ou de trucs spéciaux sur leur tronche, par exemple, comme je dis, des lances plantées dans le dos, des animations ou des couleurs qu'on ne voit pas ailleurs, ce genre de trucs. Ça peut être sympathique. Putain, mais c'est loin. Dommage qu'on puisse pas dompter des crabes avec des couteaux. Il y a un endroit où il y a des crabes avec des couteaux. Oh putain, mais tant que j'y pense, il y en a un qu'on peut choper. Il y a un renard rare aussi à côté de... Bon, il faudra qu'on aille voir Zedou. Bonne vidéo, signé Chips. Oh ! Merci des... zombies. Oula. Ah oui, je laisse appuyer sur Z, donc forcément... Hop. Chips de fer. Hein. Extrêmement gentil. MVP d'ailleurs, hein, sur comment s'appelle Palworld. Il va y avoir des épisodes de Palworld qui vont venir. Vous inquiétez pas. J'attendais qu'il y ait plein de mises à jour. Et comme je vous ai dit, j'étais vraiment en mode, bon, pff, on piche un petit peu. On fait que farm, 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 farm. Et il n'y a rien de spécifique à faire de plus. Bon, c'est le jeu qui veut ça, c'est comme ça. Mais ouais. Il faudra qu'on aille continuer un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. On va choper un renard. Il est où? Il est par là, là. Non, il n'est pas par là. Il est pas par là. Il est totalement là. Là, que cendré. Il faudra qu'on aille choper que cendré aussi. C'est un petit renard tout gris, trop mignon. Ça me revient, là, tant que j'y pense. Donc c'est pas ici, il faut qu'on trace. Hein. Après, on ira sous l'eau. Je me fais pas trop de doutes quant au fait qu'ils soient là, les mobs. Ah, j'ai envie de tous les choper, hein. Tant pis, on pousse un petit peu pour l'épisode. Hein. L'épisode qui va durer 45 ans. Faut pas faire ça, Goltan. Ouais, Osef. Osef. Après, il y a un autre truc à Siditus aussi. De souvenir, un truc dégueulasse, là. Bon, il y en a un paquet, hein. De toute façon, il y en a un paquet des mobs. Déjà, si on arrive à choper celui-ci, ce sera très très bien. Ça, c'est tellement une activité fun à faire, la chasse aux familiers. Je trouve que c'est vraiment trop trop plaisant. Par contre, on va mourir de... Ouais. Il y a un problème de type respiration aquatique, quoi. Petit problème, ouais. Petit problème... de type problématique, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas très loin. Presque. Ah, c'est pas lui. Ah ah, on est au-dessus. Il est là, c'est sûr. Évidemment. Je pluffe. Alors, par contre, on va pas se mentir, je vais prendre une monture aquatique quand même. On va prendre Fabulicieux. Permettre de tracer. Allez, espérons qu'il soit pas trop loin et qu'il soit dans les parages, sinon on va mourir.
cause du fait qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Et évidemment, j'ai jeté ma bouteille de respiration aquatique parce que je suis qu'un connard qu'on avait dans la quête précédente. On n'y voit rien, ce qui est normal. En plus, il peut être dans tellement d'endroits différents. Il est pas là? Il n'est pas là. Allez, on trace et on espère qu'il soit pas trop loin et qu'il soit là aussi, hein, tout court. Pas l'impression pour l'instant de voir quoi que ce soit. Si on l'a et qu'on meurt, c'est pas grave, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas pris à droite, j'ai pris à gauche. Est-ce que ça va me coûter cher? Quand t'as le temps en plus qu'il joue contre toi. Allez, s'il te plaît. Dis-moi que t'es par là. Oh no. Oh no. Pas par là. Du coup, peut-être là vers le haut. On aura tout juste le temps de check. Sacré apnée quand même, notre petit Mikasto. Après, c'est un robot, vas-y. Et d'où on doit respirer sous l'eau, quoi. Pff. Franchement, le jeu il est mal fait. Non, je déconne, évidemment. Je sais que les mécagnomes sont des mélanges, évidemment. C'est une plante. J'ai cru voir un petit truc un peu éthéré. Je me suis dit peut-être que... Pas l'air d'être là, hein. Non. Après, est-ce qu'il faut pas faire des trucs pour qu'il apparaisse ou autre? Allez, on se casse parce que sinon je vais mourir. Malheureusement non, et en plus ce sera limite pour la jauge de respiration. Attention, je vais mourir de... Non. C'est non. Non. J'ai pris un tic, vous avez vu, de même plusieurs tics de trucs de respiration quand même. Ça c'est dégueulasse. Bois de la pénombre, il n'y en a pas un truc là aussi qui traîne? Un esprit des bêtes il me semble. Bois de la pénombre. Non. Le roi des vaches, bon il n'existe pas. Ah, foudre pâte, c'est ça. Foudre pâte, c'est un esprit des bêtes, il me semble aussi. Comment je peux faire pour y aller tranquillou? Bah, juste on est à côté, en vrai. Bah, allez, on continue, hein, mesdames et messieurs, c'est pas fini. Hein. Vous croyez que c'est terminé? Pas du tout. Et après, il y en a un autre. En fait, c'est, j'ai pensé au renard qu'il y avait ici. Non. Ici? Non. Ici? Oui. Donc, je vous ai parlé là. Que cendré, et là, par là-bas, il y a aussi un renard qui a de la foudre sur la tronche. Esprit des bêtes aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir quoi. Mais je sais plus s'il se dompte avec la foudre sur lui, encore ou pas. On va voir. Hein. Mais il me semble, hein. Bon, tout ça, évidemment, ça a fait appel à mes souvenirs. Désolé si je me trompe, mesdames et messieurs. Évidemment, ça n'est pas voulu. Le fait de se planter, si c'est le... Non, j'ai cru que c'était lui, mais pas du tout. On va se poser, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Pas l'air d'être là. Alors qu'une mouflette sauvage vient d'apparaître. Pas l'air d'être par là non plus. Il n'y a pas de yar qui tienne. De toute façon, il fait de la foudre, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Est-ce qu'il est invisible? Et il apparaît quand on pop? Je sais plus. Peut-être par là-bas. C'est le problème de cette forêt, c'est que les arbres sont très bas. Donc du coup, on a souvent les feuilles dans la gueule. Faut que je fasse attention, à 15h, il faut que j'aille récupérer le coffre de la forêt de son... Oh!
de sombre lune. Oh non. Dès que je vois un mob, tu sais. Putain, on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout. Par là-bas? Genre le mob il est pas là? Oh, ce serait abusé ça. Bon, je vais me mettre en vue à la première personne, hein. Parce que sinon on n'y voit rien dans ces bois. Je vois rien. Est-ce que c'est lui? Je crois que c'est son nom à lui. C'est foudre patte, hein, je crois vraiment, hein. J'essaye de voir si c'est bon. Oui, c'est tout à fait ça, c'est bien foudre patte. C'est bien celui que dont je pense, hein. Dont je me souvenais, mais je le vois pas. Je ne le vois pas. Est-ce que il faut faire un truc spécifique pour le faire apparaître? Oh, trop marrant la map qui est apparue en train de voler. Tout va bien. Mais je le vois pas. Je ne vois pas de foudre patte. On vous refait un petit tour. Et puis au pire, on va essayer d'aller choper patte cendrée. Qui est un autre rare du coup. Et puis on s'arrêtera là, hein. Après il y a encore le petit singe à côté de la porte des ténèbres là. Enfin bref, dans la zone de marécage dégueulasse là. Qu'on avait déjà récupéré. Et là pour le coup lui il a juste un truc rare, c'est que... Ben... Il a un petit chapeau sur la tête, trop mignon, trop marrant. Le petit singe. Donc deuxième mob qu'on n'aura pas eu dans cette petite chasse aux mobs. Je suis tristesse, mesdames et messieurs. Je suis tristesse absolue. Non, je vois pas. Hein. Je n'en vois pas. Pas de foudre patte. À l'horizon. Elisa. C'est chiant parce que Elisa est là. On va la torcher. Ce sera fait. Oh, level up. Let's go. Level 46. Non, aucun foudre patte à l'horizon, mesdames et messieurs. Je pense que ça sert à rien d'insister. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas, je n'en vois pas. Bon, c'est pas grave. On a dit qu'on allait chercher... Ah, c'est un peu loin là quand même. Faudrait qu'on aille à Forgefer. On va aller à Forgefer via le tram, tout ça, tout ça. Et on va aller chercher Patte Cendrée. Qu'est-ce que j'ai comme point à prendre? On a dit... ben là, par contre, du coup, je peux prendre un petit peu ce que je veux. Parce qu'il faut que j'aille là. Mais on a récupéré, donc je pense que je vais prendre ça. Désengagement libère des effets affectant le déplacement et augmente la vitesse de déplacement pour le coup. Je peux partir sur du tir de lien qui est très très cool, j'aime beaucoup. Mais non, on va partir sur ça. Ce sera un long épisode du coup, mesdames et messieurs. L'épisode assez long. On va récupérer ça parce que sinon ça va sonner à chaque fois que je vais passer, ça va me gonfler. Ça va être trop chiant. Allez, donne le coffre. Là, avec le foulard. Voilà, des défiards. Par contre, on a récupéré une recette. Je suis pas fou. Recette steak de crocolisque. Je suis bigleux. Allez là. Faut qu'on fasse un grand tri hein, dans tout ça. La robe chatoyante, je sais pas si elle vaut des sous. Tout ça, faudra le dégager. Allez, direction Forgefer.
Et on va aller chercher l'autre. Hop. Eh merde, j'ai raté le tram, il vient de passer. Je suis deg. Pas grave. Du coup, c'est celui-ci qui va venir. Oh, je viens de voir comment faire pour choper Foudre Pâte. D'accord. Ok, c'est un truc. Oh, oh putain, je m'en souvenais plus. C'est bon. C'est bon, je m'en... Ouais, c'est bon. En fait, il faut que... Ouais, il faut qu'on active le... Alors, je vous explique comment faire pour dompter Foudre Pâte. On va aller le chercher juste après. Il faut activer le pistage des invisibles. Parce que je cherchais quand même... j'ai tapé sur Internet la Foudre Pâte parce que c'était bizarre quand même. Mais je m'en souviens maintenant. J'ai vu que ouais, ça demandait un truc spécifique à faire et je m'en suis rappelé. Il faut activer le domptage des invisibles. En fait, ça nous permet de voir sur la minimap où est-ce qu'il est planqué, ce petit con. Et en fait, il est caché dans des buissons. Donc, en allant dans les buissons et en balançant des fumées, des fusées, pour détecter les invisibles, en fait, on le verra apparaître et à ce moment-là, on pourra le choper. Ouais. Je m'en souviens, putain, c'est vrai. Donc on va essayer d'aller la rattraper, ce petit bâtard. Et en fait, on voit des petits yeux, normalement, et on entend le bruit, le des fameux invisibles. Donc on ira faire ça. Putain, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je trouvais étonnant quand même qu'on galère à trouver des rares de cette zone-là. Après, ça date un petit peu, hein, c'était... je crois qu'ils avaient... Il était apparu, ce mob, à Légion ou un truc comme ça. Il me semble. Donc, ouais. Il me semble que c'est un truc du genre. Il reste combien? Il reste 5 minutes. Ouais, c'est bon pour la pierre de TP. J'y pense parce qu'il faut pas que j'oublie le timer, comment ça s'appelle, de la force de son brûle. Surtout pas oublier. Ouais. Toi aussi tu perds rien pour attendre le post-kay là. Attends que je me renseigne un petit peu sur ce sujet, tu vas voir ta gueule. Et donc en fait là-dedans, dans le pistage, il faut que je fasse pistage du chasseur, pistage des camouflés. Voilà, et je verrai un petit point sur la map. Quand il y aura des camouflés, et en plus de ça, j'entendrai un bruit d'invisibilité, parce qu'il se planque dans les buissons, ce petit con. Et on va l'attraper, vous inquiétez pas, cet épisode, on partira pas sans ce petit bâtard. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc aussi pour le clampant en fantôme, là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de quête à faire, ou quelque chose comme ça, pour activer le spawn. Un peu comme ceux qui apparaissent dans le mont Ijal. Donc, avouez. Je sais plus trop. Comme je dis, tout ça, c'est des souvenirs. Là, on va choper que Cendré. Un renard. C'est le même renard, quasiment, que celui qu'on va essayer de choper après dans la comment ça s'appelle? Dans la forêt. Sauf que celui-ci, il n'est pas avec des éclairs et il n'est pas un peu transparent. Mais c'est juste qu'il est tout gris et puis ça me fait plaisir. C'est un mob que j'aime bien. Lui, par contre, je sais qu'il est invisible, ce con, et qu'il faut s'en approcher pour le faire apparaître. Enfin, il apparaît quand même pas trop loin, contrairement à l'autre... qui est vraiment, vraiment, pour le coup, bien planqué dans les buissons, quoi. Va falloir chercher un petit peu partout. Vraiment une sacrée récolte. Je vais pas vous mentir, mesdames et messieurs, je m'en doutais qu'on allait en récupérer pas mal, des mobs, mais je pensais pas autant en si peu de temps, en fait. Je pensais qu'on allait plus tourner vraiment d'un côté, de l'autre, jusqu'à essayer de tomber dessus. Là, d'être direct là-dessus, dès les premiers points de spawn, ça fait vraiment plaisir. Hein.
serait aussi un rare là. Une guêpe, très jolie. Mais je crois qu'on a des couleurs qui peuvent apparaître ailleurs. Je la vois pas. Elle est rouge, elle est là. Ah non, elle est jaune. Mais elle est pas rare, c'est pas une couleur rare, Nyx. Donc c'est un peu con. Je trouve ça un peu dommage. Bon, vous allez me dire, les renards non plus. Ouais, vous savez quoi? Allez, on va le dompter, tiens. Écoutez, on dompte tous les boss possibles du jeu. Tous les rares, on les dompte. Voilà, c'est tout. Hop là, viens ici. Nickel. Allez, hop, t'es à moi, toi. Dans la Pokéball. Tuez-le. Il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Voilà. Mais ouais, malheureusement, c'est pas un truc c'est pas une couleur unique. Je croyais qu'il était rouge par contre. Bon, allez, pas de cendré. Enfin, pas de cendré. Si, pas de cendré. T'es où? Je t'ai vu? Non, c'est pas toi. T'es où, petit bonhomme? Faut bien regarder, bien écouter, hein. Oh, tu vas être par là quand même. Tu vas être par là. Non, pas toi. C'est vrai que notre zone d'aggro, elle est pas dégueu quand même, hein. Vu qu'on n'est pas très haut level, enfin qu'ils sont à notre niveau plutôt. Bah alors? T'es pas là? Genre quelqu'un t'a trouvé? Bon. Je crois pas une seule seconde. T'es où? Je vois plein de renards, mais je le vois pas, hein, lui. Hein. Il est tout gris. J'espère que je l'ai pas raté. Que cendré, il a. Viens là. Viens là. Allez, comme il est tout beau. Il est trop mignon. À moi. Voilà, impeccable. Bon, du coup, on se casse à Hurlevent. On va... Il reste 9 minutes. On va chercher l'autre con qui se planque dans les buissons. Dans le bois de la pénombre, en espérant que ce soit pas trop long. Et on... On fait la foire de Sombre-Lune, et puis GG Wellplay, j'ai envie de dire. Ça va être un peu serré en timing, hein. Surtout qu'il y a des gens qui doivent peut-être attendre le pop du coffre, là. Va falloir se manier le cul. Est-ce qu'on aura le temps de faire l'aller-retour? 15 minutes de pierre de TP? C'est pas si loin que ça. On va voir combien de temps on met. Si on met 2, 3 minutes, 3, 6, ça fait 7. Ça veut dire qu'on a 3 minutes pour le trouver. Qu'est-ce qu'il a dit, Gultan? Cherchez pas. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Non, ça c'est un mur. Enfin, c'est un arbre. Putain! Bon. Ok. Ok. On va te retrouver, on va te retrouver, on va t'attraper, je te le dis, oui. Ça fait très violent comme, comme truc, mais vous inquiétez pas. Donc là, il va falloir ouvrir les mirettes et aussi, surtout, les écoutilles bien grands pour écouter si on n'a pas... Normalement, on voit les yeux. Souvenir. T'es pas là-dedans, là? Non. Pas là-dedans non plus. C'est dans... Il est caché dans les buissons, hein. Caché dans les buissons. On va chercher. Cherchons, cherchons. Ah ah! Vu! Je t'ai tellement vu. Vous avez vu les yeux qui brillent là? Il l'attend. Donc on fait. Je t'ai vu! Eh?
Sorte. Attends, non. Attends, non. C'est pas lui. C'est juste la déco de la zone. Avec les yeux qui clignotent, je me suis fait avoir comme un con. De toute façon, je le vois pas sur mon marqueur. Donc en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais c'est juste les buissons qui s'allument comme ça, je suis trop con. Mais il me semblait que... Oh, va falloir fouiller tous les buissons, je vais... Non, c'est pas ça, je dis de la merde. Peut-être que je devrais regarder un guide, mais... mais non. Non, en vrai, je crois que juste en passant... dessus... on l'entend et on le voit. Et que les yeux, c'est juste un truc joli de la zone. Je dis de la merde, en fait. Il a pas l'air d'être là. C'est pas dans ces buissons, c'est dans ces buissons comme ça, là. Putain, t'es où, petit bâtard? Ah! Je l'ai entendu, il est là! Il est là. Il est là. Je l'ai entendu. Il est là! Vu! C'est bon, mesdames et messieurs! Pouh! Donc, c'était pas les yeux, hein. Et là, regardez. Il est tout transparent! Et il fait des éclairs! Moukoum, il est trop mignon! Ah, je suis content. Il nous reste 5 minutes pour tourner à Hurlevent. Impeccable! Je suis content. Donc, c'était bien de la merde ce que je disais. En fait, les yeux qui s'allument et qui s'éteignent, c'est juste un effet stylé de la zone. Il faut juste passer dans les environs et écouter. Alors j'ai mis le pistage, en vrai le pistage des camouflés c'était peut-être pas intéressant. Mais c'était pour le voir éventuellement sur la map. Bon ben on va se téléporter du coup à la Fort de Sombre Lune. On va récupérer notre 10e. Oh. Avec de la chance. Coffre. Et puis il m'en restera 2 à récupérer. 1 à 18 et 1 à 21h. Donc c'est possible que je puisse les récupérer. Et puis voilà, sacrée collection, hein. Vraiment, oh là là, je suis trop content. On s'est gavé. Il manque le petit singe, mais bon, ça au pire on fera un autre épisode. Il manque le petit singe qu'il y a c'est où? C'est Non. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. C'est... Il est là, par là. Là, c'est lui. Gib, la masseur de banane. Il est là. Il est par là. Bon, en vrai, est-ce qu'on pousse pas un petit peu l'épisode encore? Ouais, on va le chercher. Il manquera plus que celui-là. Ce serait con, quand même. La lumière, ce serait con. Et j'aurais récupéré tout ce que je voulais récupérer. Sauf le clampant fantôme et Simba. Que j'ai pas réussi à choper pour le coup. Et puis pour ce qui est du reste, il faudra faire des quêtes pour récupérer les deux tigres qui sont donc dans le mont Ijal, plus le piaf aussi qui se balade, pareil aussi, il faudra faire des quêtes pour les avoir. Et puis voilà quoi. Après, il restera toujours des mobs à récupérer. J'ai parlé des Légons, par exemple, dans le caveau Mogushan. J'ai parlé des trucs là, des porcs épiques aussi, qui sont bien chiants. Mais bon. Ils sont beaux, ces petits bonhommes, là. Il est beau, Foudrepatte. Il est joli. Et j'aime bien la mécanique aussi, du fait que tu dois fouiller des buissons comme ça pour le trouver. C'est assez drôle. Bon, on n'a plus qu'à attendre 3 minutes, mesdames et messieurs. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir des gens.
On va attendre 3 minutes et puis on va essayer de d'ouvrir le coffre. Me vie, les mignons, ce petit foudre patte. Me vie. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre du coup? C'est vrai qu'on a pris Nyx. Voyons, que cendré. Ouais, que cendré, c'est le même, mais sans foudre. En vrai, vous savez quoi? Je vais le jeter, lui. En vrai, c'est le même que l'autre, mais en moins joli. Donc, Enix, pareil, je vais le dégager. On va dire que c'était. Le. Voilà, on va dire juste comme ça. C'était le plaisir de l'avoir chopé. Lui, il est beaucoup plus joli que l'autre. On l'aura chopé pour le mettre dans notre Pokédex, mais ensuite on le fout dans le PC de Léo pendant 45 ans. Voilà, c'est tout. Il va rien pouvoir faire. On va essayer de garder que les trucs uniques parce qu'on va avoir une sacrée collection qui va s'entasser dans notre comment ça s'appelle, réserve de familier, dans notre écurie. Voilà, chercher le nom. Donc, parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Hein. Tous les porcs épiques, Elégon, comme je vous ai dit, le Clampan. Les deux tigres qui sont dans le. Comment ça s'appelle? Dans le mont Ijal, plus le piaf aussi transparent, invisible, enfin pareil, esprit des bêtes dans Ijal. Plus des familles mécaniques, des boss notamment. Plus celui qu'on peut crafter aussi, avec des sauts de peinture et tout ça dans le siège d'Orgrimmar. Plus les familiers morts-vivants, plus ceux qui ont des boss de donjons avec des trucs trop stylés, par exemple des épées plantées dans leur corps et tout ça, des lances, des trucs du genre. Donc ouais, on en a encore beaucoup, donc je vais juste garder les mobs à skin unique. Je ferai une liste de tous les familiers que je voudrais dompter avec skin unique et tout ça. Et on cochera ce qu'on a récupéré et on essaiera d'avancer petit à petit sur notre collection. Il y a le griffon oublié aussi, il y a Sangosier, tant que j'y pense, il y a le griffon de Hurlevent, quand on aura le level pour pouvoir récupérer la plume, il y a aussi celui qu'on chope du côté de la Horde, il y a le tigre, le Simba blanc, qu'on peut choper avec quelqu'un de la Horde qui lance la quête et qui fait que... Bon bref, voilà quoi. Allez, on va chercher le coffre, il n'y a personne. Let's go. Et ce sera notre 10e emblème sur 12. Voilà, parfait. Excellent. Le fric, c'est chic. Ah, putain, j'ai dit où est l'insigne. J'ai un bordel dans mon inventaire. À l'aide. Bon, c'est bon. J'aime beaucoup cette transmo, elle me plaît. Elle me plaît de plus en plus, cette petite transmo de... De petit bonhomme en mode Shaco là. Le Shaco mécanique, dégueulasse. Elle est trop drôle. Allez, on va récupérer le singe. Et on s'arrêtera là pour cet épisode, mesdames et messieurs. Parce que ouais, là, vu de nez, on en a 3, 4... Attendez, 3... Non, 4. Il y a 4 porcs épiques, je crois. Bon, allez, on va dire 3. Au cas où je me trompe, je sais plus s'il y en a 3 ou 4 exactement dans... En Pandarie, des porcs épiques à capturer. Donc on a dit 3 comme ça, familier mécanique, j'en vois 3 aussi, donc ça en fait 6. Plus les 3 autres du Mont Ijal, 7, 8, 9. Plus le Clampan, 10. Plus Sangosier, plus Griffon, 11, 12. Plus celui de Hurlevent, 13. Plus celui de Orgrimmar, 14. Plus le Lion, 15. Ouais, on va arrêter de compter. Hein. Déjà, on en a 15 autres à récupérer. Donc on va totalement arrêter de compter. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre tout simplement par là. Enfin non, je vais couper. Je vais couper par là. Et on va y aller. Hein. Je pourrais... Attends, je peux pas aller Hurlevent sinon pour prendre le portail vers la porte des ténèbres? Non, on s'en fout, on va y aller comme ça. En plus, on a une quête juste à côté, mesdames et messieurs. Si ça, c'est pas de l'optimisation, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Sans déconner. Ah là là. Je suis content. C'est totalement l'esprit des épisodes bonus, ça. Hein. Faire des petits trucs à la con qui nous font plaisir. Même si, comme je dis... Est-ce que vraiment je peux catégoriser ça dans l'esprit bonus? Est-ce que ça fait pas partie des aventures de petit Bicasto? Bon, évidemment que si, mais...
C'est un petit moyen de rajouter des épisodes. Des petits épisodes qui ne seront pas forcément tout le temps dispo. Un rythme bien spécifique, mais qui seront là quand j'aurai plus de temps que de base pour pouvoir tourner. Le soldat inconnu, c'est vraiment joli comme... Il a... Vraiment stylé ça comme nom de rare. Adieu. Adieu. Il est pas là, on a dit qu'il était là. Donc on va tomber dessus, de toute façon il est qu'un seul endroit. Et puis pff, je doute très sincèrement que quelqu'un l'ait capturé. Enfin j'espère. Si c'est le cas, bon ben tant pis. Et il me fait toujours marrer ce singe parce que c'est le seul qui est comme ça avec ce petit chapeau. C'est vraiment comme dans Rémi sans famille là. Je sais plus comment il s'appelle le pauvre. Le petit singe qui meurt. Bon de toute façon tout le monde meurt encore une fois dans cette série mais... Ah il est là. Il est là, on le voit. On le voit, on le voit. Allez Gib, viens. Jette-moi une banane si tu veux, ouais, vas-y. Ta-da. Et voilà, il garde son petit chapeau, son petit chapal. Impeccable. Eh ben écoutez, on va se diriger vers la quête. Comme ça, prochain épisode, eh ben on lancera la quête. Épisode normal, j'ai envie de dire. Et puis voilà. J'irai regarder combien coûte. Enfin, comment on fait pour récupérer les spores. Les spores fertiles, là, je crois, ou je sais plus quoi. Et puis. Puis voilà, hein. Puis voilà, hein. Là aussi, il y en a des rares, là. Mais ils sont pas affichés parce qu'on est phasé. Faudrait que je change de phase. Est-ce que pour le coup. Bah non, là, c'est le truc de la. Eh ouais, faut que j'aille voir l'autre. Bref. Vas-y, dormi. Ouais. Ouais, bref, le fun, quoi. Bonjour. J'ai besoin de quelque chose. Bonjour. Allez dans l'honneur. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et donc là, tous les rares sont pop. Claque de saccageur, œil de mort. D'ailleurs, il y en a qu'on peut dompter, je crois, qui sont stylés. Je sais plus. Je sais plus s'il y en a qu'on peut dompter qui sont de couleurs différentes. Mais bon. Pas très important. Voilà, donc là on a des bobs classiques. Ça a été reconstruit. Et on pourra acheter une bière. Bonjour, je veux de la bière. Bière nécessaire. Enchanté. Comment allez-vous ? C'est ça. Hop, voilà. On a acheté la bière, on va pouvoir l'amener au PNJ du coup. Se téléporter et puis ce sera bon. Mais écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode bonus vous aura fait plaisir. Je sais pas combien de temps il a duré, comme j'ai dit je m'en fous. À chaque fois les épisodes bonus ne sont pas limités dans le temps contrairement aux épisodes classiques. C'était une bonne, une très bonne même collecte de familiers rares qu'on a pu faire. Vraiment je suis très content, on en a vraiment une grosse quantité, ça fait trop plaisir. Beaucoup d'esprits des bêtes qui sont très chiants à les récupérer plus tard dans le jeu. Lorsqu'on est plus phasé en fait hein, et qu'on se retrouve mélangé avec tous les joueurs et les joueuses qu'il y a dans le jeu. Là au moins on les a récupérés, on est bien. En vrai lui aussi pareil, je vais le dégager. C'est pas un skin unique de mob. On va garder que vraiment ceux qui sont uniques. Et tous ceux-là sont vraiment vraiment uniques pour le coup. Donc voilà. Foudre-pâte on le met là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme monstre? On met les deux là? Non, je sais pas. Ouais, on va mettre ces deux. Vous savez quoi? Je vais prendre Foudre Pâte en tant que familier. Et on va mettre Karuma ici. On va ranger Gondria. Gondria qui est magnifique, mais que je jouerai quand j'aurai l'autre en violet, je pense. On va rester sur du bleu. Après Arcturus, quoi. Vraiment. Je dis toujours Arcturus, mais c'est Arcturus. Arcturus et Skoll. C'est pas vraiment transparent, Skoll, contrairement à Arcturus.
Allez, Arcturus et Karoma. Donc je le mets là parce qu'en fait, grâce à notre talent, le premier familier qui est dans l'écurie est apparaît avec toi lorsque tu invoques. Comment s'appelle ton familier? Et Grondorok, on va le jeter. Que la journée soit bonne. Grondecro, pardon. Grondecro abandonné. Abandonné. Pareil, par plaisir, on l'a juste invoqué. Et donc voilà. Voilà, voilà. Ce qui fait un total de. Voyons, on va compter. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se voit plus tard. 7 mobs, dont 6 esprits des bêtes. Ouais, c'était une sacrée chasse aux familiers. Je vous fais d'énormes bisous, mesdames et messieurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je l'ai dit, on se retrouve dans le prochain pour continuer un peu tout ce bordel. Et puis voilà. Puis voilà. Faire ça comme ça. Je pense que c'est bien. Hein. Je pense qu'on est bien. Je vérifie s'il n'y a pas la plume, mais je crois qu'on n'a pas le level. Il me semble qu'il faut... Oh, il y a la plume. Oh, mais alors là, mais écoutez... c'est jamais fini. Jouer avec Tommy, c'est jamais fini. On fait attention, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons voir la plume. Il ne faut pas qu'il y ait des joueurs qui viennent et qui la voient. Enfin, pas qu'ils la voient, mais qu'ils se disent... Allez hop, on dompte vite. En fait, si, on avait le level. Ça devait être 46, donc. Et ben voilà, on a le griffon aussi. On a l'esprit de bête de griffon, on n'aura plus qu'à aller choper celui de la horde, voilà. Et décidément, putain, mais c'est un truc de fou, mesdames et messieurs, cet épisode. N'importe quoi, hein. N'importe quoi, hein. Tous ces esprits des bêtes, là. Vous avez besoin de quelque chose ? Celui-ci, il est un peu plus transparent, donc... N'importe quoi, putain. Aïe, je sais pas, hein. Non, on va faire comme on avait fait, hein. On va le renvoyer, on va le poser, et puis on va laisser Arcturus. Allez hop. Un rare de plus dans la collection. Donc ça devait bel et bien être le level 46 pour pouvoir accéder à cette plume. Je vous en avais parlé, mais je savais plus trop exactement. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais des gros bisous, et rendez-vous dans le prochain épisode. À la prochaine. Ciao.